Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on va réagir au comeback de Chunga, qui s'appelle... Killing me, Chuketa. J'ai Siat. Bon, on a la fan numéro 1 de Chunga Easy. Et nous, on est deux punching balls. Ah oui, oui, oui. Heureusement, je suis pas à côté d'elle. J'ai... Génial. J'ai vu... Je voulais pas avoir les teasers, parce que je voulais vraiment être sûre de rien voir. Mais comme je suis à peu près tous les fan accounts de Chunga et Chunga, juste j'allais sur Twitter, j'étais en mode non. Et il y avait quand même des trucs. Et du coup, j'ai vu quelques petits trucs et je suis en mode si c'est ce que je pense, c'est incroyable. Attention. 1, 2, 3. Calme-toi, il n'y a rien pour elle l'instant. Est trop belle. Mais elle est de dos. Elle est belle. Oh, je veux ses couettes. Oh, je veux ses couettes. Oh, je veux ce pyjama. Oh, je veux tout. Oh, j'adore. Tout j'aime. Elle est trop belle. Oh, je l'aime trop. Je veux cette... Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, j'adore ses ongles. Oh, elle est trop chou. Oh, c'est magnifique. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Je suis à l'intérieur, c'est moi. Oh, c'est... Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, je vais être à cette partie. Ça lui va très bien. Oh, elle est magnifique. Oh, je vais me faire une frange, c'est bon. Oh là là, mais... Oh, elle est magnifique. J'adore! Oh, je l'aime! Votez Chunga pour les mamans! Oh, j'adore! Oh, j'ai envie d'être sur ces photos! Oh, j'adore ce moment-là! Oh. Oh là là! Oh, le make-up est beau! Oh, j'adore! Oh, faut que je fasse ce make-up! Demain! Oh, j'adore! Oh, j'adore! Oh, j'adore cette coiffure! Oh, il y a de l'anglais! Oh là là! Oh! Elle a une frange blonde! Elle a une frange blonde! Oh, elle est magnifique! Oh là là, j'adore! Il a une frange blonde! Ah, elle est trop belle! Elle est trop belle! Oh, il me fait une frange blonde! Tout de suite! J'ai hâte de voir la réaction. Il n'y a pas de danse! Il n'y avait 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 pas de danse! Ça veut dire que la danse. Elle va être trop bien. Tu veux commencer dès ça? C'est trop bien. Je l'aime d'amour. De mon petit cœur, je lui donne tout de suite. Comment on donne son cœur à quelqu'un? Un don d'organe. J'adore Chunga, mais tout le monde sait que j'aime Chunga. J'adore Chunga. Je crois qu'on a cru comprendre. Parce que tout est différent. Genre, Bicycle, j'adore parce que c'est putain de badass sexy, il y a un putain de drop, c'est trap un peu, j'adore. Et là, c'est totalement l'inverse. J'aime trop ce truc de Chunga d'avoir des trucs tellement différents. Genre, c'est tellement pas les mêmes ambiances que tous ses autres MV. Et j'adore qu'elle s'aventure dans ça, je trouve ça incroyable.
J'adore tout. Moi j'ai beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup aimé le pré-refrain dans l'aigu. Et c'est pour ça aussi que Roller Coaster, quand je l'ai découvert en montant la vidéo, j'ai adoré parce que pareil, ça fait un aigu qui monte là d'un coup. Exactement. Et bah, c'est le même genre en fait sur celle-là et j'aime trop cette partie en fait. Le refrain était très 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 cool. Catchy, ouais. Bon après Chunga est magnifique, elle a toujours des make-up, des coiffures, voilà, on point. Le clip était joli. Franchement, une très bonne musique, ben moi j'ai adoré, voilà, je l'écouterai. J'ai préféré que Bicycle, parce que Bicycle c'était moins mon genre musical, mais moi vraiment tu me mets des pré-refrains qui montent comme ça, et du coup ça explose, ben c'est bon, je te donne. Voilà. Non mais en fait, je trouve que t'as raison, musicalement parlant, on est plus proche du Roller Coaster, alors que au niveau du clip, Roller Coaster, rien à voir. Ouais. En fait, la danse va être encore plus un contraste de l'œuvre artistique, une chanson aussi happiness, tu vois. Ça fait beaucoup penser à des chansons de Taeyeon. C'est du soft, quoi. Ouais, et en même temps, le clip super dark. Et j'ai hâte de voir la chorégraphie, comment elle peut contraster encore plus cette musique, ce clip. Et je pense que ça va être incroyable. J'ai trop hâte de voir la chorégraphie. Bon, j'ai aimé aussi. Après, souvent avec ce genre de musique, justement, où il y a contraste en mode clip et paroles tristes et musique joyeuse, j'ai du mal. Après, je suis triste tout le temps, genre Spring Day, je pleure. Remember Me de B.I., je pleure. Mais normal. Mais quand tu l'écoutes, oh, c'est marrant, c'est joyeux. Et d'un seul coup, tu chiales derrière. Bah là, c'est la même chose. L'un des seuls trucs que j'ai pas aimé, c'est plus d'un point de vue technique, c'est le micro qu'il a utilisé. Je te jure, genre ça m'a obsédé pendant tout le clip. Vraiment, j'écoutais, j'étais en... Après, pendant le refrain, ça s'entendait pas et j'adore pas. Ça me fait penser à Give me a love. Ah putain, j'étais en train de me dire qui chante ça. J'adore toujours les pré-refrains et les refrains qui partent dans les aigus. Ça et les anti-drops, c'est mes préférés. Chunga est très forte, une très bonne soliste et puis bah, on comprend pourquoi, elle réussit et pour... Ben, c'est en elle quoi. C'est comme ce que je disais pourquoi ça. Ces gens-là, ils ont un charisme et un talent de fou. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du comeback de Chunga dans les commentaires. Et on vous dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Et votez Chunga au mama. Merci. Oh non. Cette musique, littéralement, je vais l'écouter pendant un mois non-stop. Et toi, tu vas souffrir.